dans l'ombre. C'est hyper bien, hein. Hey, ils ont enlevé les barrières. Je filme l'orage au-dessus de la maison des grands-parents comme pour remplacer celui que je n'ai pas filmé au-dessus des enfants. Sur le tableau, la mélancolie de Cranach Lucas l'Ancien au musée Unterlinden. Ces enfants, c'était nous, mon cousin Stéphane et moi, au Grand Valtin des années plus tôt, avant que nous ayons nous-mêmes des enfants. La mélancolie grondait peut-être déjà au-dessus de nos têtes, comme l'orage. Nous ne le savions pas, et nous ne savions pas non plus qu'elle emporterait certains d'entre nous. Le soir de la diffusion du journal filmé 252, Yvan Petit m'envoyait ce message, que je cite avec son accord. Pas envie de l'écrire en public, mais ton épisode est pour le coup vraiment troublant. Toi qui ne fais que très rarement des gros plans, je me suis dit que ton œil caméra sentait déjà la catastrophe qui allait se produire des années après. Ça donne à la fois un signe que quelque chose ne va pas sous l'apparence d'images quotidiennes, de vacances partagées. Et en même temps, il y a quelque chose de vraiment inquiétant avec ces plans qui ont l'air de savoir. Ça rebat les cartes de tout ton projet. Dans le délai entre tournage et montage, il y a la possibilité d'une mort. Au travail, comme disait l'autre. On en reparlera, mais j'en suis tout secoué. Écrit le dimanche 7 novembre 2021 à 22h14. S'il y a du monde sur la route, il devrait y avoir beaucoup de monde. Hein. Je crois pas.
Bah, la nuit, franchement, tout le monde. Et s'il y a du monde? S'il y a du monde? Bah, s'il y a trop de monde, c'est sûr que. Bah, non, on va camper. J'espère qu'on dort dans la voiture. Vous n'allez pas dormir dans la voiture. Ah, mais il faut des couvertures, sinon quand on arrête le chauffage. Mais non, mais je dormirai dans la voiture. Là, c'est. Non, papy et mamie Jacqueline. Et là, c'est. Continuer à filmer chaque jour ou presque, persuadé qu'entre le temps du tournage et celui du montage, il y aura toujours la possibilité d'une vie.